tous. On est en direct dans la serre. On va faire un petit tour, voir tout ça avant que ça soit planté vers le 15 mai. Alors, tac tac, que je partage un petit peu. J'ai prévenu personne. J'ai prévenu personne. Ce petit live, il restera quand même. Je vais essayer de l'enregistrer. Je vais essayer de l'enregistrer parce que bon, je pense que c'est pas mal. Bonjour David, on va faire un petit tour de la serre. Dis pourquoi pas, au lieu de vous faire des photos, je vais vous montrer un peu ça en vidéo. Je trouve que l'autre jour, mince, sur... Bonjour Amélie. L'autre jour sur YouTube, j'avais fait mon petit live et malheureusement, il s'est pas enregistré, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu qu'une minute 40 qui est restée sur YouTube et que j'avais fait 35 minutes. Alors voilà un petit peu comment vont ces petits plants de tomates. Après il y a les courgettes. Les courgettes élites. Ça c'est un rouge vif d'estampe. Les melons ont l'air de se refaire à une santé. Après, il y a les trombolino. Ah, merci Amélie. Bon, ça, les aubergines, je vous cache rien. Je les ai achetées à Gamme Vert. Parce que j'arrive pas à les faire, moi. Après, là, c'est les petits potimarrons. Un rouge vif d'estampe. Les petits romas. Les méga courgettes. Il va falloir qu'elle soit plantée rapidement maintenant. Mais vous voyez, avec ces grands pots, elles tiennent bien. Les racines quand même commencent à sortir. Mais vous voyez, avec l'engrais osmocote qui est dans le terreau fertiligène, elles sont encore bien vertes. C'est un arrosage quotidien pour maman. Après... Je sais pas si vous en souvenez, les petits rescapés, ils étaient tout ridicules, mais nous, on les jette pas. Bonjour Guillaume. On les jette pas, les petits plants. Pour moi, une plante, dès qu'elle est née, faut la garder. Et vous voyez, ça fera des tomates un jour, quand même. Après, il y a les cœurs de bœufs. Ça doit être... Ah oui, là, les marmandes. La forêt de... Petite Saint-Pierre, il y en a qu'une qui est un peu plus vert clair, ça doit être le terreau qui doit être moins bon. Après mes premières tomates, vous voyez, elles vont pas tarder à fleurir. C'est bien vert. Les feuilles de chêne. Ah bah les plantes courgettes, c'est que moi c'est ma graine. Que je récupère depuis 2006. Alors elles sont habituées au climat. Après les tomates, là, va falloir que je les attache. Parce que j'en ai mis 3 dans la serre, elles ont été un peu choquées du transportage. Il va falloir que là, tous ces petits drageons sur le côté, là, faut les supprimer. Pour faire une seule tige, pour avoir... Des tomates de bonheur. Vous voyez, la première fleur. Là, j'espère en manger au mois de juillet. J'aurais dû en semer un peu plus tôt, 3 pieds de tomates. Et ceux-là, ils ont été semés au mois de mars, ouais, le 8 mars. On verra bien. Tous ces petits drageons, là, faut les supprimer.
Là, ce qui est bien, celle-là, comme elles vont rester dans la serre, ces trois pieds, j'aurais pas besoin de faire de bouillie bordelaise contre la maladie. Après, et les petites sucrines. Il va falloir que je finisse le rempotage en pleine terre des sucrines avant qu'elles soient plus grandes. Mais malheureusement, on n'a pas de pluie, les orages y sont passés à côté. Ça va être compliqué pour les rempoter en pleine terre. Il va falloir arroser beaucoup. Après toute l'eau qu'on a eue, ça va bientôt venir à en manquer. Après les carottes, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais semé ça avec un petit semoir là à 2 euros qu'on achète chez Gamme Vert ou ailleurs, qui est en entonnoir. Et ça permet d'éviter d'avoir à désépaissir les carottes. Vous voyez, là c'était des colmars. Les colmars à cœur rouge. Bonjour Perrade. Là c'était les colmars à cœur rouge. Et vous voyez, bon, il y a quelques endroits où elles sont un peu trop épaisses, mais je vais les laisser comme ça. Elles vont bien pousser. En fait, là, dans la serre, j'ai mis du sulfate de potasse avec un peu de phosphore. Les salades, elles aiment bien. Les carottes, elles vont adorer. Alors voilà un petit peu. Je me recule. La vue d'ensemble de la serre. Là, il va y avoir un gros boulot. Il y en aura pour une grosse matinée à planter tout ça. Mais je vais attendre encore quelques jours avant de sortir tout ça. On n'est jamais assez prudent. Ils disent qu'il n'y a pas de gel, mais on ne sait jamais. J'ai mauvais souvenir une année où j'avais planté... J'avais des plants comme ça il y a quelques années. Je dis, il faut que je les plante absolument avant mi-mai. J'avais planté ça le 12 mai, ça avait fait 0,5, ça avait tout rétamé, je me souviens, ça avait plu la veille. Alors dans le coup, tous les ans, j'attends le 15. Il y a les Saintes Glaces, là on va être en plein dedans, ces 3 jours, ça commence du 11 jusqu'au 13. Et là, cette année, je suis satisfait quand même. C'est par rapport à d'autres années, elles ont bien poussé. Là, celle-là, il va falloir qu'elles soient rempotées en pleine terre rapidement, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de place par rapport aux autres que j'ai mis des grands pots. Celles-là, elles ont été rempotées 2 fois. Vous voyez, elles ont les tiges bien gaillardes. Moi, je trouve que le double rempotage... Vous voyez déjà, par la couleur, elles sont quand même vert foncé. Ça permet de les fortifier. Bon, elles ont quand même un choc d'être rempotées en pleine terre. Elles vont jaunir un peu, mais bon, ça devrait le faire. Parce que là, je disais que j'avais de la place, mais il n'en reste plus beaucoup. Il n'en reste plus beaucoup. Ça va être marrant. Ah ouais, il y a un truc. Si vous connaissez Jaco et Lily sur YouTube, ces petites fleurs là, enfin petites, elles sont plutôt grosses par rapport aux autres. Jaco et Lily, eux, ils les enlèvent parce que ça fait des fruits difformes. Et du coup, ça. Vous voyez quand même, la base du pédoncule. Il y a quand même un gros courant de sève qui va être pris. Et il faut mieux les enlever normalement. Mais moi, comme j'en ai 77 plants, je les laisse. C'est marrant, ça. J'essaierai de vous montrer des fruits de ces grosses fleurs par rapport aux petites fleurs d'à côté. Mais là, ça a l'air de vouloir produire comme d'habitude.
Bonjour Valérie. Cela, si on compte bien, il y aura au moins une dizaine de tomates sur le premier bouquet de marmande. Voilà un petit peu. Alors moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dirai à bientôt. Il y aura pas mal de petites photos sur Instagram. J'essaierai de vous faire un petit suivi de tout ça. Je vous remercie.